Bonjour tout le monde, c'est moi, Radio Gada, qui aujourd'hui je vous présente le Droid Escape. Donc, c'est un set de 2012. Donc, numéro de référence 9490. Donc, il est composé de 4 mi-furings. Donc, on va d'abord commencer. Donc, R2D2, hein. Normal, rien à dire. Hein. Tout comme les autres. Le set. C'est 3PO. Bah moi c'est... Ah c'est flou. Voilà. Donc... Bah moi c'est la première version que j'ai hein, de ces 3PO. Je l'avais pas avant, oui je sais c'est une honte. Mais bon je ne l'avais pas avant. Enfin quoi que... Je sais plus. Donc bah c'est une torse. Hein. Rien de spécial. Son dos. Rien de spécial non plus. Oups. Bref sa tête, voilà. Tout comme les 3PO je pense. Après on arrive à une mission vraiment spéciale, le Stormtrooper, le Stormtrooper pardon. Donc lui il est vraiment sublime. Mais avec le sable etc, waouh, punaise là. Je l'adore, il est vraiment sublime. Hop là les petites mâches là etc, puis même aux jambes. Non, derrière là juste... Là, mais pas ici, non. De toute façon, on pourrait pas. Dommage que les bras, ne soient pas détaillés. Même le côté, parce que là, sinon, ça aurait été rond. Et c'est juste la première face qui est super bien détaillée. J'adore, vraiment. Je pense pas être le seul à adorer. Vraiment, c'est sublime. Vraiment super. Donc ici, il y a une petite palette de couleur blanche. Un jetpack, qui n'est pas droit. Et après donc bah il y en a un autre qui lui est pareil sauf que l'épaulette est jaune, voilà. Ils sont vraiment sublimes, vraiment là les petites taches etc, bon vraiment moi j'ai envie de me l'acheter en plusieurs fois tellement qu'ils sont super beaux quoi, c'est super quoi, bravo Lego en tout cas là, c'est fort vraiment. Donc maintenant on va passer au speeder là, le speeder donc de l'Empire. Donc bah lui il est différent des autres, hein. C'est un mini speeder. Plutôt bien réalisé je trouve. Moi je l'aime beaucoup, donc le personnage il est comme ça, voilà. Allongé, voilà. Il est pas mal, pas mal. Il aurait pu faire quelques petites choses derrière ici. Puis sinon il était pas, voilà, moi je l'aime beaucoup, il est rien dire spécial, enfin quand même ils auraient pu, ici c'est obligé que ça touche le sol donc ça le fait pas, normalement c'est un peu comme ça, ce serait bien ça ou comme ça, voilà, et ça touche le sol, il aurait pu mettre un petit truc transparent ici ou je sais pas quoi, voilà. Donc bah si vous voulez faire comme ça c'est à vous de le mettre, enfin, moi je vais faire ça. Donc après bah la capsule de sauvetage du Tantif 4, donc les réacteurs on peut les mettre comme ça, enfin bref. Oups là, ça fait pas si je détruis tout, voilà, on peut les bouger, ouais on peut les bouger mais délicatement hein. Donc après bah c'est fou, hein. Donc il y a des autocollants là et là, pareil pour cette face. L'intérieur bah c'est simple hein. On peut mettre les droïdes, voilà, les commandes, puis c'est tout hein, il n'y a rien de spécial, voilà, ça s'emboîte comme ça, hop. Non là je sais pas si vous voyez, check ça, ça là et bien ici, voilà. Boîte. Voilà c'est tout, c'est vraiment pas mal, donc bah, c'est un bon set dans l'ensemble hein. Surtout avec les Stormtroopers qui sont géniaux, vraiment parfait. Donc, je vous conseille d'acheter ce set. Donc bah on se retrouve pour une prochaine review. Salut.